Yo les gens, c'est Bofi. Hype Squad, via son Discord, nous a dévoilé une petite vidéo de moins de 30 secondes. Mais il y a quand même à dire. Commençons doucement par la petite différence. On peut s'apercevoir que le menu a changé graphiquement. Il semble plus ergonomique, mais pas de nouvelles catégories. On remarque également qu'il y a deux nouveaux personnages, Selena et Chloé, qui sont grisés. Et je pense qu'elles seront jouables lors de la prochaine phase test qui commence lundi 19 septembre. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, les nouveaux skins. On voit qu'ils sont de catégorie bleue. Si on part du principe que blanc, c'est celui de base, vert, le commun, bleu serait donc rare. Ce qui signifie que potentiellement il nous reste violet pour Epic et or pour légendaire. Gideon Skinboxer. On peut voir à la ceinture qu'il a une ceinture. Ce qui signifie qu'il a été champion. Quant à June, elle nous propose un skin ninja. Et on y voit un masque de renard qui pourrait faire référence au kitsune, un animal magique au Japon. Bon, je vous ai prévenu, c'était très court, mais on n'a pas plus d'infos. En tout cas, moi ça me hype, lol, et j'ai très hâte d'y rejouer. Allez, c'était Bofi, même chaîne, même présentateur, et bonne heure. Bye bye.